Elle est arrivée. Une canne chinoise. Par l'express. Elle a tout très rigide. De peau. Une canne. Un peu de pied, là. Très bien emballé, là, j'en ai dire, pour l'expert. Je veux l'emballer. Fabrice, on est mon téléphone, on fait toutes les informations sur le can. En fait, c'est pour le frappé. Parfait. Je l'ai envoyé par M. Wanjia Baou. Bah, merci, M. Wanjia Baou. Alors, je vais te voir. Voilà. Bah, c'est un carton que tu pourras toujours servir pour les voyages, pour la voiture, pour le train, pour mettre à protéger mes cannes. C'est long. Oh, bah, protection maximum. Il faut tout de même du paquet vert. Génial. Voilà. Très bien, un autre. Un cadeau. Un cadeau, une petite cuillère roulante, c'est sympa. Voilà. Bah, je vais faire un remerciement, une petite cuillère roulante en cadeau. On parle des choses à moitié, voilà. Très bien emballé, je plus une housse, super douce à canne. À tout ce là. Parfait. Voilà. Bien emballé en plus. Le carton rigide, le papier bleu tout le long, et une super mousse, ah, vraiment très belle. Même mieux de celle qu'on peut voir chez nous. Alors, je ne vous donnerai pas pour le moment le lien de cette canne parce qu'elle n'est plus disponible. Disons que c'est une canne que je payais dans les 50 dollars. C'est une UL, neutralisée, elle fait 1 6 grammes. Je suis ébahi par la qualité de la mousse. Voyons voir. J'en remets, je suis désolé. Voilà, ouais, bien. On va voir ce petit bijou. Alors, une canne, j'ai pris très fine. Elle est en haute teneur en carbone, c'est pratiquement du carbone à 100%. Waouh, 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 waouh. Ça. Waouh, la résonance. Attends, amplifié ici. J'ai l'impression qu'il y a un caisson de résonance. Extra. Très bonne canne, rien à dire. Très belle punition. Même si on se fait. Ligature,
Un pec. Un spigot. Chanceur. Waouh. Le moulinet que je destine pour cette carte, putain, l'amplification de vibration, incroyable. Le moulinet que je destine pour cette carte sera aussi un moulinet chinois, il s'agira d'un Jaguar 1000, que j'attends. J'ai le 3000, j'ai le 2000, mais je n'ai pas encore le 1000. Vraiment, vraiment. Pour 50$, franchement. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une canne à ce qu'on passe. En quoi que, pour le Instagram, très bien. J'ai une autre très bonne qualité, gâture aussi. Un vrai petit joueur. C'est pas si nul que ça en fait. Le son se remet parfaitement en position. Je vous rappelle que ce nul Instagram va me permettre d'utiliser mes petites tapes tombées que je fais avec les moules de ce pas ou spèche. Et mes petits leurres de l'Est ou mes petits leurres chinois. En fait, cette canne, on la verra surtout dans mes vidéos à partir du mois de juillet, quand je serai en vacances en Berry. Nickel. Je sais que ça va fermer le chat. On va mettre le CD. Faire l'action. Waouh! Et la résonance est vraiment hallucinante. Ah, tu vois? L'action douce, mais ça passe. Le son se remet parfaitement en position. Bon, voilà. Bien. Que dire de plus? Ah si, il faut un cadeau. Puis j'ai aussi commenté. Des lunettes polarisantes. Alors, vous savez, je porte des lunettes de vue. Donc j'ai cherché pendant longtemps en France à trouver de ce type de lunettes polarisantes. 2,50€ en Chine. Bon, je ne sais pas si c'est bon, je n'ai pas encore testé. Mais je ne suis pas un fan vraiment des lunettes. Mais des fois, en Berry surtout, on peut en avoir besoin. Pas vraiment pour regarder le poisson, ça ne m'intéresse pas. Voilà, et puis pour se protéger, voilà. Je veux voir, l'avantage c'est que je ne suis pas obligé de les porter tout le temps, c'est ça, là. C'est ça que je trouve le top. La pilote, la chaussure, voilà. Je pêche, le soleil, voilà, je pêche. Bon ben voilà,
J'espère que cette carte vous a plu, que vous avez pu voir que le matériel chinois, ce n'est pas de la merde, comme peuvent en dire certains, que ça correspond parfaitement aux normes, et je n'ai pas eu de claquement. Salut!